I don't even know why I'm fixing you a sweet car. Losers! Ground! What? You should do what you think is best. Oh, fuck. Your dad is dead! Where the hell is he? Daniel! You? Oh! Y'a du sang! What the fuck happened here? Mais what? Pousse-toi, ok. Something's not right. Comment je fais pour passer là? Oh, pour passe. Mi. Comment je fais pour passer? Par là? Pousse. Non, je peux pas passer par là. Je fais comment pour passer là? Mais eux. That's not good. C'est le bandana de Champy. Ah, il faut passer en dessous. Vas-y. Allez, cours! Bordel! Daniel? Oh non! Shit. Daniel! Do not move! It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen! Leave me alone! No! Non, là! Je m'interpose! Non! Non! Bâtard! Mushroom! Why? Fuck! Daniel! I'm en même temps, so il était mort, Champy. Just. Wouldn't have changed anything to kill it. I'm right here. It's all right. Triste. Vaut mieux Champy que le frère. Oui, c'est clair, mais bon, Champy quoi, quand même. Oui, je vais essayer de le remettre sur en rediff sur YouTube. Après, ça sera pas forcément tout de suite, Kems. Parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Here. You should do it. C'était un chien chrétien, apparemment. That's it. It's bullshit. You can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember running through the snow with you and how you. You snuggled. And I'll never forget you. Non, mais imaginez, mettez-vous à la place du petit. Il a perdu son papa et puis maintenant il perd son petit chien. T'es triste, toi. Rest in peace. Rest in peace. You won't be forgotten.
Sean, do you think she's up in heaven? Et Champy a voulu faire copain avec un lynx, Shark. Et le lynx, non, un puma. Pas un lynx. Le puma, c'est plus gros que le lynx. Avec un puma, et le puma, il voulait pas. Il aimait pas les chiens. C'est quoi la question? J'ai pas écouté, j'étais en train de répondre à Shark. Merde. C'était quoi la question, les gens? C'était quoi la question, les gens? Non, je fais au pif. Anne, c'était quoi la question? Ah, c'est champion au paradis. Ouais, vas-y. Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Okay. J'ai presque envie de revenir en arrière pour voir comment il explose le puma, quoi. Comment il lui fait sa fête au puma. Est-ce qu'il le fait exploser, genre les pattes qui partent comme ça, la tête qui part là et tout, ou alors que ça fait pouf, une grosse tache de sang. Wish we didn't have to go. I like having a house again. Come on. Et surtout qu'il y a de la neige et qu'il fait froid dehors, quoi. C'est un peu con pour prendre la route. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes. Ou alors il l'écrase comme les canettes, il le réduit en boule de viande sanguinolente, il en fait du tartare. C'est un test. Pourquoi il n'y a plus de son? Ah, parce que j'ai désactivé les musiques copyrighté et que là il doit avoir une musique copyrighté. Donc on va faire une musique copyrighté, pas copyrighté. Tada 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 tada. Parce que là il doit avoir une phase avec de la musique et vu que j'ai désactivé les musiques copyrighté, du coup ben on n'a pas de musique les gens. Donc mettez une musique dans votre tête. Mettez une musique dans votre tête. C'est, en fait, ils auraient dû faire en sorte que pas couper la musique, mais juste la remplacer par une autre musique qui était, elle, était libre de droit, quoi. Parce que là, ça fait un peu nul, il n'y a plus de musique. Mais au moins, j'aurais pas de strike. Ça fait bizarre. Nul de cette musique. Imaginez-vous une musique épique. Ils sont au bord de la route. La route qui les mène vers une nouvelle aventure. Et vers une délivrance au lointain là-bas. Alors que le condor les survole. Prêt à fondre sur eux des fois qu'ils meurent. Pour dépecer leurs cadavres. Ils sont où? Ils sont dans la voiture?
Ah non, ils sont pas dans la voiture. Oh, ils sont où? À Beaver Creek. Welcome you et bienvenue toi dans Beaver Creek. Ils vont voir papy et mamie. Et là, tu auras l'FBI qui les attendra devant. Ça fait combien de temps qu'il y a eu les événements d'ailleurs? On n'a pas regardé ici. Quelqu'un a regardé un peu depuis quand on est en fuite? Et le retour du son magnifique. Les bruitages selon Valorant. We made it, Daniel. It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. 4 à 5 mois, dis-nous. Come here. Je sens pas, je sens pas. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Je sens pas les gens. On a pas le choix entre sonner et s'enfuir. Non, on est obligé de sonner, putain, merde. Ah, je le sens pas. Bah, je le sens pas. Je le sens pas, c'est tout. FBI, open up! S'ils étaient tristes d'avoir perdu leur petit enfant, ils auraient pas mis des Merry Christmas partout sur leur maison, des Joyeux Noël. What if they went on vacation? Or something? On défonce la porte et on aménage. We'll figure out something. Bon, en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont sourds, les grands-parents. Ah non, ça s'allume. Bonjour. Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard. Look who's here. After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Grand-père a l'air d'être un connard. Papy est un connard. Je l'annonce. Heureusement que tu as fait un loup. C'est pas fou. On aurait pu dire que c'était un hot dog. D'une tub à hot dog, tu sais, c'est bon. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Ils vont appeler les flics? Merde. Sean is guilty. Sleeping in our home.
La grand-mère veut appeler les flics. Et bizarrement, le grand-père est avec nous. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean. Dis pas moi, c'est lui. The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide and for assault and robbery in a gas station. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? C'était pas moi. Oh putain. Je sais pas. C'est moyen comme réponse. C'est des conneries, putain. Là, ils vont pas aimer parce que, bon, insultes, etc. Hein, langage grossier. Sérieux? Vous me croyez pas innocent, quoi? Sérieux? Hein? Franchement, je suis votre petit-fils? Non, mais vous... Franchement? Là, c'est la réponse. Mais what? Vous avez pas de shampoing? Non, mais allô, quoi? Faut être honnête. J'hésite. J'hésite. Ben ouais, mais c'est clair, c'est des réponses à la con, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est des conneries, putain. Mais ils vont pas aimer ça si je dis ça. On va mettre c'est des conneries, putain. On va mettre ça. Voilà. No, that's fucking bullshit. I never touched the guy. No, don't get mad, Sean. We have to ask. We only know what we saw on the news. All I know is that he shot dead, and now he's gone. Oh, sweetie, we are so sorry for what happened to your father. But why did you run away if you're innocent? Ah, c'est une bonne question. Alors, il y avait des ralentons laveurs qui nous poursuivaient. Et j'ai paniqué pour protéger Daniel. Ah, mais si je dis... J'ai paniqué, ça passe. Si je dis pour protéger Daniel, ça veut dire, ça sous-entend que Daniel, il a quelque chose qu'il faut pas qu'on sache. Et pas le choix, c'est pas bon non plus. Donc on va dire paniquer. It happened so fast. I saw the cop on the ground and my dad and I freaked out. Oh, I know. You poor thing. But that just made things worse for you and your brother. You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. En fait, but I can't do everything. So, what are your plans? En fait, c'est les grands-parents de qui? C'est les parents de leur père ou c'est les parents de leur mère? Parce que je croyais que c'était les parents du père, mais ils ne semblent pas très affectés par la mort du père. Pour les parents du père, quoi. C'est les parents de la mère, du coup? C'est qui? C'est les parents de la mère, d'accord, merci César. Nous, on va au Mexique. On va traverser le mur. Go down to Mexico. To Puerto Lobos.
Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Merci. Seriously? That's... really nice, Stephen. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. We can stay? Serious? Awesome! Ooh, Sean! Guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. C'est un pyjama à neige, anyway, donc il a... At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Ah, finalement, papy, il est gentil. Il est gentil, papy, finalement. Je pensais qu'il était méchant au départ, mais non, mais gentil. Ça sent la couille, cette histoire de rester aux USA avec la police. Tout à fait, Charles, je suis d'accord avec toi. Il y a le FBI, il va défoncer la porte, tu vas voir. Plutôt Princesse Peach pour moi. César, spécialiste des princesses. Super Wolf. Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Mm. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. Des religieux. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Okay. Ça bug OBS? De quoi, comment ça, ça bug OBS? Non, ça bug pas chez moi. Ou alors c'est chez vous que ça bug. S'il y a un bug, c'est chez vous. Parce que là, il n'y a pas de bug. Ou alors, il y a un petit lag, peut-être, momentané. Donc, s'il y a eu un petit lag, en fait, elle veut qu'on comprie. Elle veut faire une prière. Voilà. Apparemment, on est tombé dans une famille de religieux. Voilà, une chrétienne intégriste qui vote Trump. Tout à fait une créationniste. Une terre-platiste. Il y a des gros freezes. On a eu des lags, d'accord. Bonne nuit, destroyer. Il y a eu un léger freeze, d'accord. D'accord, ok. Prière, du coup, on est content avec mamie. Ou pas prière, parce que c'est pas du tout notre truc. Moi, je serais plutôt pas prière. Bon, allez. I'm sorry. I can't get into this religious stuff. I'll pray with you, Grandma. Can you ask the blessed dad? And Sean. And Mushroom. And you and Grandpa. And, everybody else. Oh my, you are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house.
take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. Amen. Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, Jin. Thanks again. Good night, Grandma. Mais non, elle ressemble pas à Marine. It feels so nice to have a bed again. And a bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring. And nice. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. La mère les avait quittés. You know what I mean? Je croyais qu'elle était morte. Yeah. I guess. Hey man. You've been doing so great with your, well, you know. I was wondering, how do you do it? I don't know. I concentrate and it just happens. Wait. Does it hurt? Nah. It's kinda itchy though. And exhausting. Sorry. Anyway. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight, little cub. Il y a un chelou, Big John. En fait, ils ont dit que la mère avait les avait quittés. Du coup, est-ce que, enfin, je sais pas si elle est morte ou si elle les a quittés et qu'elle est morte après, je sais pas. En fait, il y a un truc là, c'est pas clair, les gens. Beaver Creek, Oregon. Une semaine plus tard. I could sleep all day long in this bed, but I'm way too hungry. This is pretty good so far. I love that Steven only has crime and train books. That's cool Claire dug this up for us. Ted's such a baller in his suit. C'est un peu rire démoniaque là. Ouais, elle fait le train. All right. I'm allowed to go out now.
c'était ça l'idée. Ouais, ça. Cache-oreille. Il a dû rajouter des lignes. C'est ce qu'on a dessiné. Tellement froid que ça brûle, j'ai dû porter Daniel sur plus de 3 km, personne ne s'est arrêté pour nous aider, qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Quoi, c'est quoi son dessin? C'est avec décembre 2016, Dan va mieux, il mange comme 4, j'imagine que c'est une bonne chose, je passe beaucoup de temps avec C et S, trop bizarre après tout ce temps. Il marche sur des œufs, ils évitent de parler de Seattle ou de Karen, tout le monde fait l'autruche. Donc c'est lui en fait qui marche sur des œufs, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Excellent le dessin. Règle des Reynolds, discrétion, ne sortez pas de la maison, déconnexion, pas de téléphone, pas d'internet, corvée quotidienne, devoir pour Daniel. Bonne chance, Claire. Mort d'ennui, je leur suis reconnaissant, mais j'ai besoin de sortir, faut penser à la suite, pas de détente pour les braves. Bah... Ils vont pas pouvoir rester éternellement là, quoi. Daniel knows how to milk grandma for toys. Good. He deserves to be spoiled. Sean! Finally. Sean, are you awake? Breakfast's almost done, so come down when you're ready, okay? Okay! Choo-choo! So careful, Chief. Going too fast. We have to! We're late on schedule. Yeah, but we're gonna scare the passengers away. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Non mais c'était notre chambre, je suis con. On va pas péter le pot de fleurs. It's been locked ever since we got here. And I kind of don't give a fuck. Ça doit être la chambre de leur mère. Better not sneak in. They won't like it. C'est la chambre des grands-parents. Oh man. How did we survive for weeks out there with no hot water? I used to hate brushing my teeth. Just like Daniel. Now I can't get enough toothpaste. Faut que je fasse quoi en fait là? Faut que je descende là. Ouais, descendre prendre le petit déj. I get why Dad never brought us down. Et par où on descend? Ah, par là. Ah, c'est là. Oh my, look who's awake. Good.
Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandpa, show me your pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Oh, Sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Seattle me manque ou c'est sympa? I miss Seattle. My friends. There's so much more to do in the city. There's more crime, more traffic. Nobody can go out anymore. I think there's crime everywhere. I love Seattle. But it's cool here too. Well, it's certainly safer for children. Everybody out here is a neighbor. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. C'est là qu'on va voir Captain Smyrite. Mais oui, c'est lui en fait. Parce qu'il a perdu sa femme, le père a perdu sa femme, et il a un fils de l'âge de Daniel. Donc c'est Captain Spirit. Spirit. Non, non, fais pas ça, 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 fais pas ça. Stop it, you crazy.